Je vous jure que ce sera le titre de la vidéo. Regarde, il y a une nouvelle cassette sur Amanda's The Adventurer. Donc du coup aujourd'hui nous sommes à nouveau sur ce petit jeu indépendant qui a été développé en moins de 24 heures, en moins de 5 jours je crois, par seulement une petite équipe réduite. Et ça a apparemment très cartonné parce que vous êtes très nombreux à me demander de faire cette fameuse cassette secrète. Bienvenue à tous sur Amanda l'aventurière. On va jouer normalement jusqu'au moment où on va faire quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Donc, pas mal d'entre vous m'ont littéralement répété, on va dire, des centaines de fois dans les commentaires qu'il faut écrire lamb dans l'encart texte pour avoir quelque chose de différent. Non. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Où est le store? Do you know where the store is? Ici? Do you know where the store is? Là? Do you know where the store is? Je sais pas, je peux cliquer ailleurs. Je peux pas cliquer ailleurs, je suis obligé. Yeah, le jeu triche, hein. Right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. Bah. Look, there are apples. Can you see le soleil, mon pire cauchemar, j'avoue. Apple. Non, c'est ici qu'il faut écrire lamb. Say apple. Lamb. Apple. Je veux, je peux écrire que Apple. Ça écrit tout seul aussi. C'est vraiment de la 3D curse. Oui, oui, c'est totalement super, super dérangeant, etc. Et ce jeu a été réalisé vraiment en très peu de temps pour un concours. Et franchement, l'ambiance du jeu est vraiment incroyable. Genre, on avait beaucoup apprécié qu'on avait fait la découverte la dernière fois. Donc, on va voir en fait ce qui se passe sur cette fameuse cassette secrète. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do. Don't... Hi everyone. Hi. I'm Amanda. Hi Amanda. I'm Wooly. I'm Wooly. Today we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Can you tell us where the butcher is? Non, je veux pas aller. Ma grand-mère elle est végétarienne. The butcher? Regarde-le, regarde comment il est dépité le pauvre. There it is. There it is. Let's go. Hello, Hello, mister. La musique, s'il te plaît, quand tu vois le boucher. Non, non, non. Ici, ici, en fait, on m'a dit qu'il faut écrire lamb. C'est ici ou pas? Lamb. Du coup, je sais pas en fait. J'ai peut-être mal suivi. J'ai peut-être mal suivi ce que les gens m'ont dit dans les commentaires. Ils m'ont dit d'écrire lamb quelque part. Je veux que je vais écrire lamb partout. La viande est vivante. Oh mon dieu. Regardez comme elle regarde. J'adore ça. Non. Laisse Wooly tranquille. Ah, mais voilà la cassette. Donc du coup, la cassette différente est juste ici, les amis. Du coup, là, on est en territoire inconnu. Et là, c'est cool. On va voir. On va voir ce que ça donne. You're right. The treasure map said the woods. Let's go. I think we're close to the treasure now. Aren't you excited, Wooly? Wooly? I said, aren't you excited? Huh? Oh, yeah. Right. Yeah, but we still don't know where the treasure is, buried. Our friend the GPS said that X marks the spot. Can you see where the X is? Elle dit que notre ami à UPS nous a dit que le X marque le spot. On va appuyer sur X le rond. X marks the spot. J'appuie sur le carré. We're looking for the X. Ok, d'accord. Right? On va appuyer sur le X en fait, du coup. Il y a deux arbres qui sont apparus à la place. Donc on peut pas se rater là. There it is. Treasure awaits. Looks like the spot. On dirait que c'est l'endroit. How are we supposed to get at it under all the dirt? Bah. Luckily, I brought some tools to help us with our adventure. I brought a crowbar, a rope, and a shovel. Oh mon dieu. We already used the crowbar for the door. We used the rope for... Oh boy. And now, we only have the shovel. What tools can we use to dig up the treasure?
What? Je... Help. Attends, je peux écrire... C'est... Je... I didn't bring that. What can we use to dig up the treasure? Shovel. The shovel. You're oui. Right. Now we can dig this up before someone... Okay, that's enough. Bah. Oh! No, I can't let you do this anymore. I don't care what you do to me. Il s'énerve. What? You, take the tape out now and destroy them. Burn them. Whatever, just get rid of these other tapes. Oh mon dieu. Do you hear me? Oh mon dieu. You can't let anyone else watch these. Anyone watch... Wally! Non, mon pote! Oh, mais c'est incroyable en fait ce jeu. C'est juste incroyable. Ça va faire comme Bébé en jaune, ça, les gars. Vous allez voir. Hein. Au début, c'est un petit jeu de 10 minutes et après, au fur et à mesure, ils vont rajouter des niveaux à chaque fois. Hein. Bébé en jaune, c'était comme ça. Au début, c'était juste un petit jeu de 10 minutes, hein, sans plus. Hein. Maintenant, c'est un big jeu, beat fact game de 1 heure presque. Ça, c'est la cassette, la fameuse cassette. Il va essayer de la brûler comme ça. Mais ça prendra jamais feu. Il a jamais fait feu de sa vie, lui. Oh mon dieu. Burn. Non. Éjecte. Éjecte. Oh boy. Et... Watch? Non! Eject! Non! Je peux pas... Je voulais écrire Eject, et du coup, le jeu a écrit Watch à ma place. C'est pas du tout ce que je voulais écrire, en fait. Il n'a pas résisté à l'appel de la cassette. La cassette a été maudite, et l'a rappelé. Yeah, no, I found it. Yeah, I found the place. It was just off the highway. Yeah, not too far, right? It wasn't that hard. Yeah, no, they're all... Hold on, what? Was I followed? No, I don't think so. Who'd be following me? Je vais traduire pour la rediff, les gars. No, nobody was there. It was just me. Yeah, no, the tapes are all destroyed, too. They're gone. Every single one. Yeah, no problem. Listen, it's getting late. I really need to get home. I got work tomorrow. So I'll call you when I get back home, okay? Cool. Okay. Have a good night. I'll talk to you soon. Yeah, bye. On a eu vraiment durable, hein, franchement, les gens. On a eu vraiment du rap, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas autant en fait. Bon, on va finir quand même la cassette, on est dans la cassette finale. Mais c'est super ce qu'on a eu là. Oh non, regardez ce qu'il reste de Wally. It's dark out. Let's go home. Home. Oui, je vais aller au parc d'attractions à côté. Home. Where's the house? Regarde comment elle devient tarée, tu sais. Oh mon dieu, la tête qu'elle a, s'il te plaît. Ah, oh, bordel. God damn it. Noct. Oh, ok, d'accord, si tu veux pas, ok, c'est bon. Je nocterai pas. Ah, j'aime pas ses yeux. Ses yeux sont horribles. James Pratt. Franchement. Franchement, est-ce que vous pensez pas que cette petite mise à jour a été plus que bénéfique sur le lore d'Amanda l'aventurière? Je pense vraiment qu'il y a matière à faire quelque chose qui va peut-être aller au-delà de ce qu'on vient de voir, et j'aime beaucoup en fait cet univers. Donc hâte de voir ce qu'ils vont faire dans le futur, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas en fait à laisser un pouce bleu et à partager avec vos amis. Allez, c'est Ross,
out. Twitch.tv/Saceros.